Tout d'abord, il vous faudra de l'eau, un récipient. Donc là, c'est une bouteille, mais ça peut être un petit bocal ou même dans un verre, ça fonctionne. De l'huile de tournesol, un entonnoir pour que ça soit plus pratique dans une bouteille, du colorant pour ajouter un petit peu de couleur à la lampe, à la, et un cachet effervescent. Peu importe le cachet effervescent. Donc on va d'abord commencer par verser l'eau dans la bouteille. Prends l'entonnoir comme ça évite d'en mettre partout. Donc on rajoute de l'eau. C'est un petit contenant, donc du coup on va en mettre au un quart de la bouteille. Pas besoin d'en avoir plus, hein. On va ensuite rajouter l'huile. Pareil, je reprends l'entonnoir, c'est plus pratique. Et là, on va en mettre au maximum. On va venir déposer quelques petites gouttes de colorant dedans. Vraiment faire des petites gouttes. Et les gouttes vont venir se poser au fond. Il faut bien attendre que les gouttes se posent dans l'eau, en dessous. Donc comme on peut le voir, des gouttes se superposent sur l'huile, mais il faut attendre que les gouttes de colorant aillent bien dans l'eau. Donc pour cela, on peut aussi prendre un petit touilleur, une cuillère, ce que vous voulez, pour pousser les boules de colorant au fond. Donc bien attendre que les petites boules elles aillent au fond. Donc on peut les aider. Moi je prends une paille, je les pousse au fond. Faut pas essayer de pas trop remuer. Bien laisser les petites bulles aller au fond. Donc en fait, il faut qu'elles éclatent. Si vous en reste une ou deux, c'est pas bien grave. Donc là, on voit bien qu'au fond, c'est bleu. Il reste quelques bulles sur le dessus, entre l'huile et l'eau, mais c'est pas grave. Donc là, on va y ajouter le cachet effervescent. Je peux mettre que la moitié, je peux mettre un entier. Et on le laisse aller au fond. Et là, on peut voir la réaction de la lampe à lave. Ça va faire monter des bulles. On peut fermer la bouteille si on le souhaite. Voilà une petite lampe à lave.